Suite à l'intervention des trois intervenants, ce que l'on peut déduire, c'est que khlas, matrawel, c'est l'extinction. C'est le sentiment que je tire. Dans quelques années, il n'y aura plus, pas d'Algérie, mais de globe terrestre. Là, c'est grave. Et notre attitude, bien, n'est pas normale. L'attitude de mon pays n'est pas normale, quelles que soient les annonces qu'on entend et qu'on lit sur les journaux. Comme aujourd'hui, il y a trois pages sur la désertification de l'Ouattara. Les Romains, puisque, monsieur le professeur, les Romains, quand ils sont venus, ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses. Eh bien, ils ont inventé le limes. C'est quoi le limes? Ils ont inventé une frontière de Marnia à Belabès, à Saïda, et en bas vers, pour interdire aux éleveurs de monter sur le littoral. Et c'était des frontières, il y a encore, c'est des lahsan, des guérites. Il y avait des soldats qui gardent cette frontière pour interdire aux éleveurs de monter. Donc, ils ont compris. Moi, je considère, parce que c'est M. Belchev, c'est retraité, animateur du mouvement associatif, et le mouvement associatif universitaire et intervenant sur la biodiversité et sur l'urbanisme durable, pour comprendre mes propos. Un, il y a la formation. Nous devons parler de formation. Qui former? Former ceux qui vivent sur le terrain. Former déjà le Mouel. Mouel est analphabète. Il ne connaît que les techniques de l'élevage. Et encore, former l'agriculteur qui est agressé par l'analphabète.